Pour les Égyptiens de l'Antiquité, l'homme meurt deux fois. La première fois lorsque son âme quitte son corps, et la seconde fois à la mort de la dernière personne à avoir prononcé son nom. La vallée des rois, lieu de sépulture des pharaons d'Égypte de l'Antiquité. Dans la vallée des rois, Howard Carter poursuit intensivement ses recherches. Originaire d'Angleterre, il travaille en Égypte depuis plus de 30 ans. Embauché à 17 ans en raison de ses aptitudes artistiques, il ne tarde pas à tomber amoureux de l'Égypte et de son histoire. Il participe à de nombreuses fouilles archéologiques et grâce à son travail acharné et à sa détermination, il devient un égyptologue respecté. La découverte d'une coupe inscrite du nom de Toutankhamon convainc Carter que la tombe de ce roi méconnu gît quelque part dans la vallée et qu'elle n'a peut-être pas été visitée par les pilleurs ou les explorateurs. En 1908, Carter est engagé par Lord Carnarvon, un riche aristocrate et égyptologue amateur. Lorsque Carnarvon obtient son permis de fouille dans la vallée en 1915, la chasse au tombeau de Toutankhamon s'intensifie, mais ses recherches s'avèrent infructueuses et coûteuses. En 1922, Howard Carter réussit à convaincre Lord Carnarvon de financer une dernière saison de fouilles. C'est sa dernière chance. Nous sommes en 1336 avant Jésus-Christ. L'Égypte est au sommet de sa gloire, le plus puissant empire sur Terre. Les anciens Égyptiens attribuent leur succès à la grâce des dieux. Leur culture étant baignée de magie. Chaque jour, le dieu soleil sillonne le ciel. Chaque nuit, il traverse le royaume des morts, dangereux et obscur. Le soleil renaît chaque matin pour entreprendre son voyage, ce même cycle éternel auquel a accès le roi après sa mort, grâce à la magie. À peine âgé de 9 ans, Toutankhamon accède au trône. Il vit dans une richesse et un luxe inimaginables jusqu'à sa mort soudaine, à 19 ans. Les prêtres préparent son corps à entamer sa périlleuse odyssée dans l'au-delà. Ils munissent d'amulettes, de formules et d'instruments magiques. Bref, tout ce dont le jeune roi aura besoin pour affronter les sombres obstacles qui se dresseront entre lui et le paradis. À présent, suivez Toutankhamon dans son voyage vers l'au-delà. Admirez les objets magnifiques placés dans ce tombeau pour le protéger contre les forces surnaturelles. Rencontrez les créatures qui le menacent et les dieux qui assurent sa protection. Les destins de deux hommes que 3000 ans séparent convergent. Howard Carter devient l'égyptologue le plus réputé au monde et Toutankhamon devient immortel. Il est désormais le plus célèbre de tous les pharaons, celui dont le nom vivra à jamais. We'll be right back.
les vivants devaient se souvenir à jamais des défunts et continuer à prononcer leur nom. Les pharaons ont érigé temples et statues pour faire perdurer leur nom. Les prêtres invoquaient leur nom dans les rituels quotidiens. Mais le règne très court de Toutankhamon a été marqué par l'instabilité politique. Après sa mort, ses successeurs ont cherché à effacer toute trace de l'enfant roi. La plupart des monuments qu'il avait érigés ont été détruits. Son nom a été supprimé et remplacé partout où il était gravé. Le culte funéraire destiné à maintenir son souvenir en vie a été détruit. Nul n'a accompli les rituels ni invoqué son nom. Il est absent de la liste des rois d'Égypte. Toutankhamon a été rayé de l'histoire et son nom oublié. Cela durera des milliers d'années. Au fil des ans, ce calice des souhaits resté dans le noir près de l'entrée de la tombe de Toutankhamon jusqu'au 26 novembre 1922, lorsque Carter et Carnarvon percèrent le mur.